Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Je vous salue. Aujourd'hui, mardi 9 janvier, la Sainte Église universelle célèbre Saint André Corsini, évêque de Fiesole. Écoutons son histoire qui est une source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Issu de l'illustre famille de Corsini, ce saint naquit à Florence en 1302, le jour de Saint André, dont il reçut le nom. La veille de sa naissance, sa mère eut un songe dans lequel il lui semblait mettre au monde un louveteau qui, entré dans l'église des Carmes, s'y transforma aussitôt en un agneau d'éclatante blancheur. Aussi, cette pieuse mère eut-elle soin de vouer son enfant à la très sainte Vierge et de lui inspirer l'amour de la piété et de la vertu. Malgré les exemples édifiants de ses parents et les sages instructions de ses précepteurs, André, entraîné par les mauvaises compagnies dans toute espèce de désordre, ne tarda pas à vérifier la première partie du songe maternel. Nouvelle Monique, la pauvre mère n'avait d'autre ressource que ses larmes et ses prières. Or, un jour, André, mu par un reste de tendresse, demanda à sa mère pourquoi elle pleurait ainsi. « Ah, mon fils, répondit-elle, je pleure sur le louveteau que j'ai mis au monde. Quand donc se changera-t-il en agneau? Souviens-toi que tu appartiens à la Vierge Marie et que tu dois la servir. » Ces paroles, comme une flèche divine, pénétrèrent le cœur d'André. Le lendemain, il entra dans l'église des Carmes et, se prosternant devant l'image de Notre-Dame du Peuple, « Glorieuse Vierge Marie, dit-il, voici le loup dévorant qui vous prie de le rendre désormais un agneau docile. Il veut vous servir dans l'ordre du Carmel. » Aussitôt, il alla prier le supérieur du monastère de l'admettre dans son couvent. Il avait alors 16 ans. Dès le début de son noviciat, sa ferveur étonna les plus parfaits. L'esprit de la pénitence lui faisait accepter avec joie les offices les plus humbles. Ses passions, un instant, le révoltèrent, mais avec son énergie, l'amour de la prière et de la mortification, il les dompta si bien qu'il en demeura pour jamais vainqueur. Il fut un modèle d'obéissance, de ferveur et d'humilité. Ordonné prêtre en 1328, il offrit à Dieu les prémices de son sacerdoce dans un petit couvent où il était inconnu et y célébra sa première messe avec un recueillement et une dévotion extraordinaires. Aussitôt après la communion, la très sainte Vierge lui apparut, disant « Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je serai glorifié par toi. » Dans la suite, André ne voulut plus d'autres titres que celui de serviteur de Marie. Dieu donna à ses paroles une onction et une force merveilleuse pour convertir les pécheurs et le favorisa du don des miracles. Un de ses parents fut guéri par lui d'un mal de jambe qui lui rongeait les chairs, et il rendit la vue à un aveugle dans la ville d'Avignon où il terminait ses études près du cardinal Corsini, son oncle. De retour dans sa patrie, élu prieur du couvent de Florence, il devint comme le second apôtre du pays. Dans son admiration pour André, la ville de Fiesole le choisit pour évêque. À cette nouvelle, il prend la fuite et va se cacher dans un couvent de Chartreux, mais un enfant dévoile sa retraite. Son élévation lui fit redoubler ses austérités. Au cilice, il joignit une ceinture de fer. Il couchait sur des sarments de vigne étendus à terre. Chaque jour, il récitait les 7 psaumes de la pénitence et les litanies des saints, et se donnait une rude discipline.
Sa charité pour les pauvres et surtout pour les pauvres honteux était inépuisable. Dieu lui accorda un jour de multiplier le pain qu'il distribuait aux indigents. Pris d'un mal subi le jour de Noël, il pressentit avec joie son dernier moment. Il mourut dans la 72e année de son âge et la 13e de son épiscopat. Ses reliques sont conservées à Florence, dans l'église des Carmes. Chers frères et sœurs, à vous en particulier qui portez le nom d'André, soyez saints comme votre saint patron. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.